travail, les mécaniciens. Hein? Nom d'un tournevis. On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez, c'est Max, le Monster Truck. Et sa petite sœur, Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour, Max. Bonjour, Molly. Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse. Oh, pas si vite. Oh, des écrous et des boulons, j'ai le vertige. Maintenant, testons mon plan. Prêts, les mécaniciens? Attention cette fois. Ça a marché! Beau travail, les mécaniciens! Tout le monde s'amuse enfin. Regardez les mécaniciens, c'est la famille Camion. Bonjour tout le monde. Oh, c'est un beau bateau que tu as là, bébé Camion. Oh non, un pneu. Il se dirige droit vers le bateau de bébé. Ouf. Merci, maman Camion. Maintenant, nous pouvons recycler ce vieux pneu. Attendez. Regardez. Encore des déchets. Ils doivent venir de quelque part en amont de la rivière. Allons-y. Reste ici, Jaune. Protège le bateau. Encore des déchets, là. D'où peuvent-ils bien venir? Monsieur Weasel, que faites-vous? Oh, Gecko, j'essayais de me débarrasser de tous mes déchets. Oh, les freins sont bloqués. Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière. Oh non! Il se dirige droit vers le bateau de bébé Camion. Oh, secours! Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière, Monsieur Weasel. Ça salit la rivière. Vous avez presque détruit le bateau de bébé Camion. Un bateau? Je n'ai pas joué avec un bateau depuis mon enfance de belette. J'ai une idée. Les déchets peuvent être recyclés. On peut faire des choses super à partir de vieilles choses. Je vais vous montrer. Levez l'ancre! Attention! Voici le navire Weasel! C'est tellement amusant! La rivière est propre à nouveau! À la prochaine! Au revoir! Viens donc, Vert!
Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups. Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Oh non! Pauvre bébé camion, quel atterrissage difficile! Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux! Qu'est-ce qu'il y a, maman recyclage? Tu as une idée? Bébé camion, tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, bébé camion. Oh, merci, maman recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. Les mécaniciens. Un garage propre est un garage heureux. Oh, c'est bizarre. On n'a plus d'électricité. Il doit y avoir un problème avec nos panneaux solaires. Oh mince, la lumière du soleil est cachée. Mais ce n'est pas un nuage normal. Allons enquêter, les amis. Ah, essaye maintenant, Dylan. Je ne comprends pas. Ton moteur devrait fonctionner correctement. J'ai suivi les instructions. Bonjour, Monsieur Weasel. Est-ce que tout va bien? Tout va parfaitement bien, Gecko. Oh. Je renonce. Laisse-moi regarder, Dylan. La mauvaise nouvelle est qu'on va devoir démonter ton moteur, Dylan. Mais la bonne nouvelle est que j'en ai un tout nouveau qui sera bien meilleur pour toi et pour tout le monde. Parfait. On va avoir besoin de l'aide du soleil. Et Dylan aussi. Cette batterie va se charger grâce au panneau solaire. Pendant qu'on va installer le nouveau moteur électrique de Dylan. Dylan. Bon travail, Vert. Des clients propres sont des clients heureux. Et une planète plus propre est aussi une planète plus heureuse. Super costume d'Halloween, les mécaniciens. Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons? Désolé, les mécaniciens. Je dois finir la vidange de bébé camion. Allez-y, je vous retrouverai.
Farce ou friandise. Bah, vous n'aurez pas de bonbons à moins que vous ne me fassiez peur. Et rien, mais rien ne me fait peur. C'est nul. Je crois que je vais devoir manger tous ces bonbons tout seul. Déjà de retour? Oh, je suis désolée, les mécaniciens. Attendez, qu'est-ce que c'est, bébé camion? Ah ah, c'est une bonne idée. Encore ces chasseurs de bonbons ennuyeux. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas... Hein? Bien joué, bébé camion. Il a eu une sacrée peur d'Halloween. Joyeux Halloween. D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact. Un kebab gratuit pour chaque client. C'est sûr, ça va me faire plus de clients. Allez, Eric. Cuisine plus vite. Est-ce que quelque chose brûle? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Non! Mon beau barbecue! Non! Fiona, le camion de pompier, il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona! Utilisons l'extincteur! Je te tiens! Dieu merci, tout le monde est sain et sauf! Bon travail, tout le monde! À très bientôt! Au revoir! Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. C'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Oh là là! Tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion.
Il est temps de se rafraîchir. Ah. Tu vas mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Oh, tu es bien matinal, Eric. Ouh. Les mécaniciens. Eric est impatient de faire ses réparations. Allez, les têtes endormies. Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit. Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Waouh! Tu as raison, Eric. Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit. Pas étonnant qu'ils soient si faibles. Allez, les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger. Oh! Échec et mat. Ouais! Ok, les mécaniciens. Vous êtes tous entièrement rechargés. Alors, mettons-nous au travail. Hihi, fini, Eric. On se revoit très bientôt au garage de Gecko. Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener Jaune sur le toit pour nous aider. Oh mince! Fiona a reçu un coup sur son pare-choc. Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra forte, s'il te plaît. La colle n'est pas censée être verte. Bleu et jaune doivent avoir la colle. Vite! Rouge, monte sur le toit! Oh, pauvre Rouge! On va devoir monter sur le toit d'une autre manière. Oh mince! Quelle situation délicate! Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement. Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau? Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. On va bientôt vous libérer. Bon travail, tout le monde. Fiona et moi avons l'air tout neufs. Vous avez l'air effrayant, les mécaniciens. Vous êtes tous prêts pour Halloween. Même Tilly se joint à la fête.
se passe, Vert? Est-ce qu'il y a un monstre dehors? Je ferai mieux de jeter un coup d'œil. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Les monstres n'existent pas. Hello! Hello? Est-ce que tout va bien, l'ami? Viens dans la lumière. Oh, mon cher Max, il te faut un nettoyage d'Halloween. On va te mettre dans la station de lavage. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Rappelez-vous, les monstres n'existent pas. Quand tu es prêt, Max. Voilà, Max. Tu ne fais plus peur maintenant. Joyeux Halloween à tous! Bonjour, Bobby. Allons bon. Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention! Attention! Attention, les mécaniciens. Nous devons travailler ensemble. Aïe! Ouh! Ouf! Merci, Vert. Oh! Oh, mince! Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Vert! Ah, ouf! Merci, Vert. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby. Bien joué, Vert. Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu, tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gecko. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Waouh! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Comme j'ai mis un ressort dans les crics, je pense que tu vas le trouver un peu rebondissant. Ah! Oh, oh! 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 Les mécaniciens! Oh! 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 Ouh! Au! Oh! Au! Ah. Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé.
Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Oh, Berk. Bonjour, tout le monde. C'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention, Fiona! Ne roule pas sur le... sable mouillé! Vite! La marée monte! Oh! On va te sortir de là, Fiona! Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons, Vert! Je sais que tu aimes tes ballons, mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Oh. Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus! C'est super d'avoir partagé, Vert. Et joyeux anniversaire. Hourra! Hey, c'est Max, le Monster Truck. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Oh, tu veux ressembler à ton héros, King Crash. Je crois qu'on peut y arriver, Max. Je vais prendre mes outils. Les mécaniciens, vous pouvez commencer. Voilà, j'ai pris mes outils. Les mécaniciens, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous pouvez tous penser qu'il est joli, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ne t'inquiète pas, Max, on va arranger ça. On a fini, Max. C'est ce que tu voulais. Un autre client satisfait au garage de Gecko. À la prochaine.